Hey, Matelot ici, Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une villa moderne que vous avez derrière moi présentement. Hop! Donc, je vais vous faire un petit peu le tour de cette maison. Vous voyez donc avec une grande entrée en verre, hein, une espèce de tour en verre pour faire office de cage d'escalier. Avec plein d'espèces de modules finalement, vous voyez, donc ce sont des formes assez simples de maisons comme ça, hein, tac, 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 tac. Mais qui ont été multipliées et mises les unes à côté des autres avec des écarts entre chaque. Vous voyez donc là avec un écart ici, hop, si j'arrive à m'envoler, un écart là. Ce qui fait que ça nous fait tout un tas de petits passages à l'intérieur de la maison avec des écarts un peu partout. Ce qui donne du relief et tout ça. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue architectural, vous allez voir ça. Hop, je me prends les arbres. On fait un petit tour de la maison d'abord. Hop. Vous voyez à l'arrière ce que ça donne. Avec bien évidemment la piscine. Hein. Ça change pas, on change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et quand je disais qu'il y avait plein de petits passages dans cette maison, et bien par exemple ici vous voyez au-dessous de cette partie-là, on peut passer à côté de la partie en vert ici et se retrouver carrément à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de la maison où il y a une sorte de petit passage pour passer de l'autre côté. Comme un tunnel quelquefois, enfin un petit peu comme un tunnel, mais juste en exploitant, vous voyez, les trous, les ouvertures que nous laisse la maison. Ici aussi, vous voyez une espèce de passage ici, ce qui nous laisse la possibilité de voir tout au travers de la maison. Enfin bref, j'ai trouvé cette structure de maison assez sympathique. Et donc bah voilà, on va faire le tutoriel de cette maison là aujourd'hui. Et d'ailleurs sur la chaîne YouTube, si vous jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, sachez que je fais tout un tas d'autres tutoriels. Par exemple la dernière fois, lors de la dernière vidéo, c'était un tuto pour faire cette maison. Et encore la fois d'avant, c'était cette maison là. Vous voyez donc c'est assez des styles qui changent un petit peu à chaque fois. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, donc voilà la flat map sur laquelle on va faire la maison. Dans un premier temps, je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin, vous voyez, pour réaliser la maison. Hop. Ok, donc, hop, je vais vous donner l'ensemble des plans pour réaliser la maison, c'est-à-dire les plans au niveau du sol, vous voyez, pour réaliser la maison. Sur les plans, hop, l'idée c'est que je vais mettre aussi des blocs comme ça, hein, donc des blocs de diorite poli, qui ne seront pas à refaire vous de votre côté. L'idée c'est de pouvoir utiliser ces blocs, comme ils sont quadrillés, pour bien voir le nombre de blocs, là où il faut, c'est-à-dire que ça va être des repères juste pour le plan, mais c'est tout. Voilà, il faudra pas les faire vous de votre côté. Voilà, donc l'idée, voilà, vite fait, tous les blocs ici seront un bloc au-dessus, tout simplement posé sur le sol, alors que la piscine ici sera dans le sol, évidemment. D'accord? Donc avec, évidemment, de l'andésite poli et du quartz lisse. Et un petit peu de vert bleu, n'est-ce pas? Hop, allez! Ok, donc on va commencer par l'entrée tout simplement, hein, vous voyez la grande tour en vert bleu de l'entrée. Donc à l'endroit où vous avez fait votre carré en vert bleu en fait, eh bien on va monter ce carré à 14 blocs de hauteur. Donc on va compter un bloc ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, une fois qu'on a fait ça, eh bien on refait la même chose qu'en dessous, c'est-à-dire qu'on va faire un carré de 6 blocs de côté. 3, 4, 5, 6, normalement on est au-dessus, ici au-dessus, 2, 3, 4, 5, 6, hop, comme ça, vous voyez. Ici, au niveau de l'entrée, vous voyez que bah, y a un trou pour pouvoir entrer justement, et donc on va faire une ouverture de 4 blocs de hauteur, 2, 3, 4, tac, 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 ok, et le reste ici comme ça, à partir du cinquième bloc, on va remplir comme ça tout simplement, et le reste de la tour ici, hop, on va complètement la
la combler comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne du coup notre première petite tour. Ok, maintenant on va faire tous les modules de la maison un par un. Comme vous pouvez le voir là-bas, hein, y a plein de petits modules hop, au niveau de la structure qui sont tous très ressemblants les uns les autres. Et donc on va partir à partir de ceux qu'on avait fait en carré déjà au sol. Alors oui, bon, c'est pas tout à fait des carrés, mais ouvrez vos chakras, vous allez comprendre que dans cette chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, toutes les formes géométriques, quelles qu'elles soient, je les appelle les carrés. Voilà, comme ça au moins, c'est dit. On va aller sur le carré blanc qu'il y a à ce niveau-là, vous voyez. On va venir prendre le coin ici et monter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Un pilier, comme ça tout simplement, de 5 blocs de hauteur. Et on va repartir dans ce sens-là pour faire une ligne de quartz qui est de la même longueur que celle qu'il y a en dessous, comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Une fois qu'on a notre forme ici comme ça, c'est-à-dire une forme en U un petit peu, mais qui est penchée sur le côté, eh bien on va la prolonger sur toute la longueur de notre carré, en mettant évidemment, en remplissant le sol, en remplissant le plafond et le mur ici. D'accord. Let's go. Hop, ok. On va faire une chose supplémentaire maintenant sur cette partie-là. Hein. On va vraiment mettre un mur ici, tac, tout du long. À ce niveau-là, tac, 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 jusque là, hein, vous voyez, et on comble tout ça, hop, pour avoir ça, ok, le module d'à côté, le grand carré blanc en rectangle, comme ça, ça va être la même chose, on va prendre le coin qu'il y a ici, on va me faire un pilier de 5 blocs par-dessus, ce qui fait que entre ce bloc ici et ce bloc-là, vous avez 6 blocs au total. Vous refaites une grande ligne de quartz ici comme ça jusque là, c'est-à-dire jusque au-dessus du coin d'à côté, d'accord? Et cette grande forme-là, tac, 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 vous allez la prolonger sur l'ensemble de la distance ici, sur l'ensemble du carré. Voilà, comme l'autre, hein, tout simplement. Allez hop, on fait ça. Hop, ok, donc voilà ce que ça donne avec notre... notre machin. Alors on va rajouter un mur, ok, ici tout du long à l'arrière du module. Hop, tac tac. On va se mettre comme ça, ça va être plus simple. Voilà, donc ici l'idée c'est que toute cette ligne là, on va la monter au plafond pour faire un mur. Hop, voilà. Ok pour cette partie là. Ok, donc on va mettre maintenant les repères pour les deux autres, en tout cas pour deux autres modules qu'il va y avoir au premier étage, d'accord? Donc, on va prendre notre tour en vert, on va prendre le coin ici en bas à gauche. On va compter un bloc, deux blocs par devant, un bloc sur le côté, un bloc au-dessus, et le bloc qu'il y a encore au-dessus, on va mettre un bloc de quartz lisse. On enlève ça, et on va partir à partir de celui-là. D'accord? De ce bloc-là jusqu'ici, on fait une ligne de blocs de 17 blocs de quartz. D'accord? On fait une ligne comme ça. Puis après, une fois qu'on a ça, sur le côté, on va mettre tout autour ici de la tour en vert une ligne de quartz qui va vraiment faire le tour ici, jusqu'à revenir ici, c'est-à-dire dans l'alignement avec notre bloc de départ. Puis on va aller vers l'arrière jusqu'à toucher le mur qu'on vient de faire maintenant. Enfin, juste avant. Voilà, donc une fois que vous avez cette jolie forme magnifique, on va reprendre notre petit bloc de départ et on va faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, d'accord? On va revenir mettre une ligne de blocs jusque là, comme en dessous, tac, 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 magnifique, voilà. Puis cette forme là, on va la prolonger, comme pour les autres modules, sur l'ensemble de la longueur de notre module finalement, sauf que on va vraiment prendre soin d'éviter la tour bleue ici. Vous voyez, on va vraiment faire tout le tour comme ça. Tac, 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 tac. Et toute cette partie-là, sauf devant la tour, on va mettre un mur également pour prolonger le pilier ici. Finalement, lorsqu'on prolonge un pilier, ça fait un mur. Voilà, on va le prolonger ici comme ça, tout ici. Et on ne mettra rien devant la tour, d'accord, en tout cas de ce côté-là. Sinon, bah, toute la partie à l'intérieur ici, à ce niveau-là, tac, 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 et pareil au niveau du plafond, eh bien on va le combler avec des blocs.
Allez hop. Hop. Voilà pour la... pour ce module là, vous voyez. Ok, on va faire le dernier module du premier étage et on va donc prendre notre tour en bleu. Hop, on va venir prendre l'ouverture ici. On va compter 1, 2 blocs et le bloc juste au-dessus ici, on va mettre notre premier bloc tout simplement du module. Donc entre ce bloc là et le bloc tout là-bas au-dessus de la piscine, on va faire une ligne de blocs de 19 blocs de quartz de long. Donc vous voyez, vous êtes juste au-dessus du rebord de la piscine comme ça. Donc de 19 jusque là, 19 blocs jusque là. Puis après on part vers l'arrière et entre ce bloc là et lui ici, on en a 17. D'accord ? Youp, on reprend notre bloc de départ et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va repartir dans ce sens là. Hop, tac, tac, voilà. Pour pouvoir faire la même chose que les autres modules, cette forme là, tac, tac et tac, on va la prolonger sur les 17 blocs de la longueur du module. Voilà, comme ça on aura la même forme que les autres. Hop. Ok, voilà ce que ça donne, hein, classique. Du coup, pour les modules du dessus sur l'étage, on va avoir 3 modules. On va commencer par celui de droite. Donc, on va prendre le coin ici du module d'en dessous. On va compter 7 blocs jusque-là pour être aligné. Puis, entre là et là, on a 5 blocs. Au sixième bloc, on pose notre bloc de quartz ici. Puis, sur le côté là-bas, on va mettre une ligne de 17 blocs de quartz, d'accord ? Puis vers l'arrière, entre là et là, on a 13 blocs de quartz, ok ? Et on va faire une, un pilier donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur. On revient sur le côté, hop, en dessous, au-dessus, pardon, de celui-là. Et pareil, cette forme-là, tac, 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 on va la prolonger sur l'ensemble des, je sais plus combien j'ai dit, 13, 17 blocs, 13 blocs. Il y en a combien ici sur la longueur? Je sais même plus. 13 blocs, ok, très bien. Voilà, donc je vais vous dire ce qu'il faut faire pour chacun des modules, et puis après le remplissage, on fera tout d'un seul coup, comme ça, ça sera plus simple. Ok, donc ça, ça sera pour le module de droite, le module du centre, qui est le plus grand module. D'accord ? On va prendre ici le coin à ce niveau-là. D'accord ? On va compter, hop, 9 blocs jusque-là. Puis, on va compter, alors on est ici, 9e bloc ici. Puis on va compter 1 et 2 blocs sur l'intérieur. Puis 1, 2 et 3 blocs en hauteur. Au 3e bloc, on pose notre bloc ici de quartz. Puis, on va vers l'arrière du coup. Entre ce bloc là et ce bloc ici, on a 18 blocs, une ligne de 18 blocs de quartz. Puis après on va de là sur le côté longer la partie en bleu. Ok, entre là jusque là, on en a 23 blocs de quartz. Puis un pilier au-dessus comme ça de 7 blocs de hauteur. C'est ça qui fait que c'est le module le plus grand. D'accord ? C'est le plus grand. Alors... petite chose aussi, c'est que le toit de ce module là est un petit peu plus court que celui d'en dessous, que le plancher. Contrairement aux autres où c'est toujours pareil. Ici il ne fera que 19 blocs de long alors qu'il fait 23 blocs au niveau du plancher. D'accord ? Donc ici jusque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Normalement c'est bon, j'ai eu un petit coup de freeze, je recalcule quand même. Voilà, 19 blocs de long ici, tac, tac, d'accord. Et puis évidemment, il faudra prolonger cette forme-là sur l'ensemble de la longueur. Ici, ok, donc ça sera le dernier module, hein, je vous donne vraiment les repères. On va prendre notre coin ici de la maison, on va un coin en diagonale vers l'arrière, vous voyez. Donc un en bas, un sur le côté à gauche, un vers l'arrière ici. Très bien, formidable. On prend une ligne, enfin on fait une ligne de quartz jusqu'à 16 blocs de longueur, ok. Puis après on va sur le côté jusqu'à 14 blocs, du coup entre là et le coin, hein, d'ailleurs. On voit pas très bien ici comme ça. Puis après on va reprendre, on va refaire un pilier en hauteur. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord.
puis après on revient comme ça jusque là pour être au-dessus de celui en dessous. Ok, et puis maintenant qu'on a ces repères là, bah, vous pouvez faire les modules hein, comme on avait fait exactement par avec en dessous. Vous prenez la grande forme en U comme ça et vous la prolongez sur l'ensemble de la longueur des modules. La même chose ici, vous prenez cette forme là que vous prolongez sur l'ensemble de cette largeur, et puis la même chose ici, cette forme là jusqu'ici. Ok, let's go. Hop. Voilà ce que ça donne, hein, les différents modules du coup. Ok. Donc, voilà ce que ça donne quand on prend un petit peu de recul. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un mur que j'ai oublié. Oui, figurez-vous, j'ai oublié un mur. Hop, donc on est à côté. Enfin, alors, on est dans le module ici, voilà, qui ressort le plus, hein, qui est à côté de la tour en bleu. On va vers le fond ici et on fait une ligne de blocs jusque là, d'accord? Ça ressemble à ça. Puis on va la monter au plafond, tac tac tac, hein. Hop, jusque là, tac tac, rapido, parce que en fait on va faire juste après des supports, les supports pour la maison. Vous voyez, donc là ça nous fait un mur plus complet, ça nous fait vraiment une pièce à part entière. On va faire les supports, c'est-à-dire qu'on va reprendre les hop, andésites polies qu'on avait mis à ce niveau-là. Vous voyez donc là, au niveau du rez-de-chaussée, du premier étage, on a un truc qui vole dans les airs et au final on va rajouter une ligne d'andésite comme ça au-dessus de celle qui existait déjà. À la limite, pour ceux qui sont en survie, vous mettez de l'eau ou des torches à l'intérieur ici pour éviter que ça spawn, que les monstres spawnent. Hop, voilà, on vient ici aussi, on fait ça, très bien, comme ça on a au moins un support qui nous permet de dire que la maison ne vole pas toute seule dans les airs, ce qui est plutôt bien. On va mettre un autre support en andésite poly à ce niveau là, vous voyez, donc on va prendre le coin ici, on va compter un bloc sur le côté, puis 1, 2, 3 blocs sur l'arrière, au quatrième bloc on pose notre premier bloc d'andésite sur 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici, d'accord. Puis après sur l'arrière on va mettre hop, 10 blocs en tout, entre là et là, hein, au niveau des extrémités. Donc 10 blocs en tout, on remet 1, 2, 3, 4, 5 blocs à l'arrière et on fait un rectangle comme ça, d'accord, que l'on monte hop, jusque au module du dessus pour vraiment faire croire que hop, que ça tient tout seul, que ça tient bien. Ok, donc maintenant on va vraiment sur l'arrière de la maison, on prend ce grand module là, au niveau du toit on passe ici, on va de l'autre côté là, et on compte 1, 2, 3 et 4 blocs ici. Au quatrième bloc on pose notre andésite poly, on fait une ligne vers l'arrière de 5 blocs, d'accord. On va comme ça, entre là et ici on a 12 blocs, puis après on revient vers le mur, ok. En plus de ça, on reprend notre bloc ici, on va au-dessus ici, on met un bloc d'andésite, on fait une ligne jusque là, c'est-à-dire de 7 blocs au total, puis après il va falloir que je sorte d'ici, youp, voilà, donc entre le bloc ici et celui-là, on va mettre 8 blocs d'andésite. Une fois qu'on a ces repères là, bien évidemment, on va monter tout ça au plafond, tac 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 tac, évidemment. Puis après, on fera probablement les murs. Hop, n'est-ce pas? Hop. Ok, on va faire les murs du coup maintenant des différents modules que l'on va faire, et ainsi que les fenêtres que l'on va faire du coup en vitre et en ardoise des abîmes carrelés. D'abord, avant ça, on va aussi faire aussi les ouvertures dans la maison, donc les escaliers, les portes et tout ça, pour qu'on puisse passer d'un module à l'autre, hein, c'est quand même plus pratique, si on peut faire ça. Donc, on va d'abord se munir de dalles en quartz lisse, d'accord. Hop, et on va faire ici, alors oui, on est sur le module à l'arrière ici, comme ça, d'accord. Bon, sur cette partie-là, on va mettre un bloc d'ardoise ici, donc l'idée c'est qu'on montera les choses jusqu'au plafond, hein, d'accord, comme les autres murs et tout.
Et on va laisser deux blocs de passage, hop, de rien du tout. Puis on va refaire un mur ici de 6 blocs de longueur pour laisser un bloc de marge sur les bords de la maison. Ok, donc sur la partie où on a un trou ici comme ça, c'est qu'on va faire un petit passage pour aller dans le module d'à côté. On va creuser ici comme ça un truc de 6 blocs, comme ça, tac tac. On va venir mettre des dalles en quartz comme ça pour faire un petit escalier, vous voyez, pour qu'on puisse accéder à cette partie là. Ok, on va rajouter aussi des dalles ici. Alors, on va prendre deux blocs d'écart par rapport au coin ici, hein, voyez. Et sur les trois autres blocs, comme ça, on va venir faire une espèce de marche d'escalier de 3 par 3. D'accord. En dessous, on va aussi faire une marche de 3 par 3, mais collée au sol, enfin sur le sol tout simplement, pour faire une espèce de petit escalier ici, comme ça aussi. Ok. On va utiliser les dalles en roche lisse. Dalles de roche lisse ici sur l'entrée de la maison et sur la partie en verre. D'accord. On va faire une première marche comme ça. Puis on va mettre une marche comme ça aussi. Ok. Espacée d'un bloc comme ça. La troisième marche ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les parties en bleu comme ça. Les blocs de verre. Et on va mettre des dalles ici jusque là pour faire un passage pour aller dans ce module, cette pièce. On va continuer les marches comme ça, vous voyez, en essayant de mettre un bloc à chaque fois pour les marches. Tac tac tac, non, alors pas comme ça du coup, tac 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 au dessus. On refait comme ça, hop, tac 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 tac, tac 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 tac. Tac 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 tac, et voyez que ici on arrive, comme pour l'étage du dessous, face à hop le mur ici. On enlève les blocs de verre comme ça et on prolonge la marche jusqu'à rejoindre le module du haut. Très bien. Sur ce module, tant qu'à faire, on va compter 1-2 blocs par rapport au mur. Alors bon, le mur vous le savez pas encore, donc j'aurais dû commencer par ça. Par rapport au bord du mur ici, vous voyez, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et après, les deux blocs qui suivent, on casse tout. Voilà. Comme ça, au moins, c'est simple. On met une petite dalle, des rangées de dalles ici pour faire un petit escalier. Voilà, donc là on a une ouverture. On redescend ici, donc dans le grand module ici comme ça. Et on va faire deux ouvertures. On va prendre le mur du fond ici comme ça. On va compter 1-2 blocs par rapport au bord du mur. Et les autres blocs ici comme ça, on va les enlever. Quoi qu'on va faire ça comme ça plutôt. Tac tac, on enlève même ça ici aussi, et donc vous avez un trou normalement sous le plancher. On va mettre des escaliers en quartz comme ça ça bouche le trou, c'est pratique. Et ça nous fait un autre passage. On va faire un trou ici aussi, donc on va prendre le bord du mur et on va compter 1, 2, 3, voilà, 3 blocs. Et au quatrième, on casse tout, hop, pareil, paf 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 paf, voilà, on casse un petit peu, voilà. À la limite, on casse celui-là aussi, on met des escaliers à l'envers pour faire une ouverture un petit peu plus importante. Ok, donc maintenant on est dans ce module ici, tac tac tac, hein, celui qui est tout à droite, gauche, tout à gauche. Je confonds pas du tout ma droite et ma gauche, n'est-ce pas? On va prendre le coin à ce niveau-là, on va compter 1-2 blocs par rapport au bord du mur et les autres blocs comme ça, on va les casser. La même chose en face, vous voyez. On va utiliser les blocs de quartz lisse, paf, 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 comme ça, pour faire une petite passerelle pour aller de l'autre côté. Et ici, du coup, eh bien, on pourra mettre un petit water feature, une petite des fleurs, des choses pour égayer un petit peu notre petit passage. Voilà, ici, on a l'accès. La seule chose à laquelle on n'a pas accès, finalement, c'est cette partie-là. On mettra un escalier. Mais on va le faire juste après que je vous donne les murs, les dimensions pour faire les murs. Donc l'idée, maintenant vous utilisez les ardoises des abîmes carrelées ainsi que des vitres, d'accord. Et puis on va commencer, tant qu'à faire, avec le devant de la maison, avec ce module là, d'accord.
On va mettre toujours les murs décalés d'un bloc vers l'intérieur des modules. Et ici, on va mettre des ardoises sur 7 blocs de large, sur une ligne de 7 blocs. Puis une vitre sur 9 blocs. Puis après les vitres, on va les revenir par derrière comme ça pour les coller à cette partie-là. Tac, tac. Tac, tac. Ainsi que ici au-dessus. Voilà, on va faire une ligne jusque l'autre côté. Tac, 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 comme ça. Tac, tac, vous voyez. Comme ça, c'est à peu près bon. Et l'idée, bien sûr, c'est que là, je fais des lignes de vitres et de murs, mais il faudra les monter jusqu'au plafond. Ici, sur le module d'à côté, on va prendre à partir de là des ardoises jusque là, 8 blocs, donc sur 8 blocs, et des vitres derrière sur 5 blocs pour arriver vraiment jusqu'au bord. Entre là et là, on va laisser 7 blocs de vitres jusque... Laisser juste un seul bloc de vitre collé au mur comme ça, d'accord? Et l'idée, c'est de laisser deux blocs d'ouverture ici pour faire une porte sur l'extérieur. Sur le module de l'arrière, on va prendre notre coin ici, hein, comme d'habitude. Et là aussi, on va faire entre ce bloc-là et ce bloc-là une ligne de 7 blocs de mur d'ardoise. Puis des vitres sur 7 blocs aussi. Une ouverture sur 2, 3, 4 blocs. Redévitre sur 8 blocs. Et ici, ce mur-là, normalement, vous l'avez déjà, je crois, je l'ai dit, mais au pire, je le répète. Entre là et là, vous avez 6 blocs. Ici, 2 blocs d'ouverture et un mur, comme ça. Alors, sur ce module ici, du coup, hop, entre là, donc juste à côté de l'ouverture, et là, on a 5 blocs, on met juste une vitre à côté, 2 blocs d'ouverture, 3 vitres ici. Puis entre là et là, on a un mur de 6 blocs de long. Sur le côté, on va rajouter 2 blocs ici d'ardoise, avec 2 blocs de vitre juste derrière. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs d'ouverture, 2 blocs de vitre. Hop! Hop, là on a 4 blocs de mur. On va sur le côté et entre ce bloc là et ici on a 8 blocs. Puis hop, 5 blocs de vitre. Puis une ouverture de 3 blocs ici. Et un seul bloc de vitre sur le côté comme ça. Ok, pour le premier étage, ou en tout cas le rez-de-chaussée. On monte aux étages et sur le module de droite ici, on va avoir une ligne de blocs de 7 ardoises. Ici, une fenêtre qui va jusqu'au bout, jusqu'à 9 blocs, hein, jusqu'au bord de la machin. Puis entre là et là, on a 11 blocs. On revient par derrière et entre là et là, on a 9 blocs. Et ici, pareil que l'autre côté, hein, là et là, c'est les mêmes. C'est un mur d'ardoise de 7 blocs jusqu'au mur ici. La grande partie centrale sur le toit, enfin sur à l'étage, on va prendre ici notre coin. On va laisser un bloc vers l'intérieur comme à chaque fois. Et on va compter 5 blocs de mur d'ardoise. Ici, on va faire une fenêtre. Jusque là, de 8 blocs de long. Ici, on va prendre de l'ardoise, on va vers l'intérieur. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs de mur. Ici, on va reprendre 6 blocs d'ouverture. Entre là et là, on a 6 blocs de mur. Puis, sur le côté, on a une vitre. Puis, on va laisser 2 blocs d'ouverture comme pour accéder à ça, à l'escalier. Puis après, on va reprendre les vitres et on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, un mur de 5 aussi. Hop, là, ça sera vraiment l'intérieur de la maison avec les murs. Donc tout ça jusque là et là, il faudra le monter au plafond. Par contre, ici, là, tac, tac et tac, c'est une terrasse. Et donc, ici, les vitres qui sont posées sont... la barrière pour éviter de tomber, techniquement.
Donc du coup, on va la prolonger ici sur la même ligne que les murs, hein, et on va mettre ici une ligne de vitre de 7 blocs. Ici, entre là et l'autre côté, on a 16 blocs de vitre. Puis, entre là et là, 7 blocs de vitre aussi. Et là, on va laisser ça comme ça. Après, il n'y aura pas, on ne montera pas ces vitres jusqu'au plafond. Cela, on n'y touche pas. Le dernier module, du coup, on va mettre ici une ligne d'ardoise de 7 blocs. La même chose de l'autre côté là-bas, ça sera 7 blocs aussi. Puis après des vitres, hop, jusque là, hein, jusqu'à 5 blocs par devant le mur. On va laisser un bloc de marge sur la longueur ici. Entre là et là, on a 14 blocs de vitres. On rejoint les vitres jusqu'au mur ici, qui fait lui aussi 7 blocs comme l'autre côté. Voilà, donc tous ces murs là et ces fenêtres, on va les monter jusqu'au plafond. Allez, let's go. Hop, voilà pour les murs. D'un seul coup, la maison commence à avoir une bien meilleure tête, n'est-ce pas? Alors, j'ai enlevé l'eau de la piscine parce que l'eau, en fait, je l'avais mise pour pouvoir symboliser que c'était une piscine, mais bien sûr, il faudra creuser dedans. Voilà. On va faire donc trois choses maintenant. On va creuser dans la piscine. Donc, l'idée, c'est que tout à l'intérieur des blocs de roche, hein, tout l'intérieur là, on va creuser de trois blocs de profondeur. Donc là, j'ai déjà creusé un bloc, hein, comme vous pouvez le voir. Puis après, on va recreuser un autre bloc de profondeur. Et il faudrait creuser un troisième bloc de profondeur. Donc là, en fait, pour la petite histoire, j'ai déjà un sol en béton bleu clair parce que j'ai recommencé le tutoriel de zéro parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement de mes logiciels. Donc bref. Mais normalement, vous avez pas ça dans le sol. Vous avez pas du béton dans le sol directement. Voilà. Vous avez normalement de la terre ou de la pierre. Et donc, l'idée, c'est qu'il faudra quand même creuser 1, 2, 3 blocs de profondeur sur toute la surface. Voilà. Allez, on va faire ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai creusé les 3 blocs. Normalement, vous devriez avoir quelque chose à peu près comme ça. L'idée, c'est qu'on va mettre du béton bleu clair au fond de la piscine, n'est-ce pas? Ok. Puis, hop, sur les bords de la piscine, parce que vous avez remarqué que ici, là, vous voyez la terre, hein, et donc, bah, c'est pas très joli. Donc, on va enlever la terre, on va mettre des blocs de béton à la place. Pour ceux d'ailleurs qui se demandent comment je fais pour remplacer un bloc comme ça directement, c'est en cliquant simultanément sur les deux boutons de la souris, gauche et droite, paf, 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 voilà, comme ça. Bref, du coup, allez, on fait ça partout. Surtout de la piscine, hein. Hop, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, d'un seul coup, ça fait beaucoup plus piscine. On va utiliser les lanternes aquatiques et on va venir les mettre dans les murs de la piscine aussi, comme ça, tous les 5 blocs, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Bon, là, ici, il n'y a pas 5 blocs d'écart, mais c'est pour mettre vraiment sur le bord de la piscine. Hop. Yep, voilà, donc ça, ça peut être pas mal. Il y a 5, ok. Après, il faudra remettre de l'eau, évidemment, hein. On va rajouter vite fait. Tac, tac, tac. Hop, et voilà. Alors maintenant, on va mettre l'escalier qui va nous permettre d'aller dans la partie tout à droite, ici, vous voyez. Donc, on va prendre des escaliers en quartz. On va venir prendre ce mur-là, vous voyez, hein, juste à côté de la grande ouverture. On va laisser deux blocs ici, sur la diagonale, on va mettre deux blocs en quartz, d'escalier en quartz, tac, tac. On en met aussi à l'arrière, paf, paf, et on fait un escalier, pouf, pouf, comme ça, qui monte jusqu'au plafond, et on creuse tout ça, hop, jusque ce qu'on arrive bah, au plafond, justement, hein, paf, paf. Et qu'on puisse plus monter. Et donc là, évidemment, bah, va falloir utiliser une technologie incroyable, c'est-à-dire le cassage de blocs. Hop, phénoménal, n'est-ce pas? Paf, paf, ici, comme ça. Et on enlève les deux couches, parce que forcément, paf, 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 paf. Voilà, faut ce qu'il faut. En dessous, ici, du mur en ardoise, on va enlever ici aussi, pour voir un truc un peu comme ça. On peut enlever même comme ça, d'ailleurs, pour faire comme ça. Comme ça, on a plus de place. Pour passer
Et donc on est bien. Ok, on va rajouter des piliers que j'aime bien, des piliers en barrière de chêne noir que l'on va mettre à côté de la piscine pour pouvoir soutenir la partie à droite justement, comme ça, vous voyez qui est très largement dans les airs. Si on regarde sur le modèle là-bas que j'avais fait, vous voyez donc il y a les trois piliers là-bas qui permettent de soutenir la maison. Pour pouvoir les mettre, en fait, ces piliers, on va prendre le coin de la piscine ici. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs sur l'arrière, 1, 2 blocs par devant. Et puis, on va mettre notre premier pilier. Tac, comme ça. Puis, sur le côté 1, 2, 3, 4 et 5, 5 blocs à côté, on met le deuxième pilier. Hop, comme ça. Puis encore 1, 2, 3, 4, 5 et on remet un autre. Voilà. Ok, maintenant, c'est bon pour ça. Ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est les décorations. Donc, on va creuser dans le sol pour faire une décoration ici. Et les terrasses. Voilà, j'ai mis les terrasses, enfin, en tout cas, la forme des terrasses, on va dire, en place. On va commencer par celle-ci, tout à droite de la maison, si je veux, voilà. Alors, on va prendre des dalles en chêne noir. On va venir compter à partir du bloc ici, là, du coin de la maison, 1, 2, 3 et 4 blocs. En dessous, vous mettez une ligne de chêne noir, de dalles en chêne noir, dont deux sont sous la maison. Et à partir de celui sous la maison, entre là et là, vous en avez 9. D'accord ? Puis après, ici, jusque là, sur la longueur, on en a 13. L'idée, c'est de venir combler le carré ou le rectangle. Hop, paf, paf, jusqu'à deux blocs sous la maison, hop, comme ça, pour faire, hop, tac, 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 en fait, une terrasse surélevée qui ne touchera pas le sol. C'est un peu ça la particularité de la terrasse, et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible, mais c'est stylé, c'est ça qui fait la beauté du détail, vraiment, en tout cas, dans l'architecture ici, hop. Je vais vous montrer ça juste vite fait. Lorsque vous êtes dans la piscine, vous voyez bien que vous pouvez voir tout en dessous de la terrasse qui est faite en dalles. Et du coup, voilà, c'est une terrasse suspendue par la maison. N'est-il pas merveilleux? Hop, paf, paf. Voilà pour la terrasse ici. On va en faire une deuxième sur ce module et on va le faire à l'arrière à ce niveau-là. On va prendre comme repère le coin ici, comme ça. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs. En dessous de ce bloc-là, on met notre terrasse. Entre la dalle qui est en dessous ici, jusque-là, on va mettre 7 blocs de dalle. Hop, entre là et l'autre côté ici, on va mettre 11 blocs de dalle en ligne. Puis après, on comble le carré. Hop, le carré en forme de rectangle, n'est-ce pas ? Hop, paf, paf, paf. Et puis, on fera l'autre terrasse juste à côté. Hop, aussi. Voilà. Donc là, pour la terrasse. Hop, la troisième terrasse en bois, en tout cas sur ce module ici. On va prendre comme repère le bord du module ici, comme ça. Hop, on va jusque là. Donc, on compte 10 blocs. Ici, c'est le 10e bloc. Par devant, on met une ligne de 3, 4, 5, 6, 6 blocs de dalles, d'accord, directement au sol par contre ce coup-ci. Puis après dans ce sens-là, on va faire une ligne de 9 dalles de chêne, hein, toujours, et après on revient vers le mur, et on comble tout cet espace-là, hop, n'est-ce pas, magnifique. Hop, si, tant est que je double pas les dalles. On va faire une dernière petite chose, même si c'est pas vraiment une terrasse, c'est surtout une marche d'escalier pour rentrer dans la maison. Ici, là, vous vous rappelez, sur ce module, on avait laissé deux blocs d'ouverture ici, pour pouvoir entrer dans la maison. Et bien, devant ces deux blocs d'ouverture, on va mettre des marches, mais on va faire en fait une grande marche ici, avec 4 blocs sur la longueur, sur 3 blocs ici sur la profondeur, et on va remplir tout le carré ici. Oui, un carré rectangulaire, ça marche, ça marche, ça marche. On va faire un petit peu comme on avait fait ici sur la maison. On va prendre des barrières en chêne noir, d'accord,
et on va faire des petits supports, des petits piliers qui vont soutenir ce module ici. D'accord ? On va prendre ce coin à ce niveau-là et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Au cinquième bloc, on pose notre barrière en chaîne et on en met 2 pour aller jusqu'au plafond. Sur le côté, on va en compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Au sixième bloc, on rajoute un autre pilier, paf, comme ça. Et la même chose de l'autre côté, on va compter 1, 2 blocs de trous, du coup, plus 3, 4, 5 ici. Et au sixième bloc, on va mettre un pilier, comme ça, pour que ce soit joli. Ok, donc maintenant, on va faire la partie sous l'espèce de module surélevé ici. Donc, on va venir sous le module, on va venir prendre les parties en andésite. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs. On va creuser dans le sol ici un sillon qui va faire 18 blocs de longueur. De là jusque ici, on est à 18 blocs. Puis après, on creuse sur le côté ici vers la tour en bleu. En tout, entre ce bloc-là et ce bloc-là, on a 10 blocs. Puis après, on revient dans ce sens-là vers le mur. Et normalement, si vous êtes bien tombé, vous arrivez directement aligné avec ce mur ici. Vous voyez ? Tac, tac. Donc, toute cette zone-là, maintenant, on va creuser de 3 blocs de profondeur, comme la piscine. Allez, hop, on creuse tout ça. Voilà, donc, j'ai creusé un petit trou-trou. Ok, donc, au niveau du fond du trou, on va mettre du gravier. Voilà, je trouvais plus le gravier dans l'inventaire. On va remplir tout ça ici de gravier partout. Ok. Puis on va mettre de la déco, notamment vous voyez le mur qu'il y a au fond là-bas, il est pas très joli, on va le changer un petit peu. On va mettre on va prolonger l'andésite sur le reste du mur, hein. Hop. Bref, je ferai le reste du mur après. Vous voyez donc toute cette partie-là en andésite poli. On va creuser dans le sol en dessous pour mettre l'andésite à la place. Tac, 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 tac. Vous voyez l'histoire. Alors, puis après, on va faire ça. On va mettre des murs. Enfin, on va mettre des trappes en chaîne noire, du coup, sur les murs, sur les côtés de la fosse qu'on est en train de faire ici. Hop. Youp, c'est-à-dire que voilà, sur les côtés ici et là, on va utiliser des trappes en chaîne noire. Et on va vraiment les mettre sur toute la longueur ici, sur tous les côtés. Hop, sur le dessous évidemment. Hop. Youp. Est-ce que j'ai mis des trous? Voilà, j'ai laissé des trous. Hop. Voilà l'idée. Alors bien sûr, vous faites ça aussi sur les autres côtés, hein. Moi, je vais pas le faire pour aller plus vite dans le tutoriel, mais évidemment ça sera la même chose que vous ferez de l'autre côté. On va mettre des décorations maintenant qui vont être assez stylées, et notamment ces trucs là, les vitres noires. Moi, je les trouve ultra stylées pour la petite astuce qu'il y a ici. Vous voyez, ce sont des piliers que j'ai mis en vitre qui supportent une partie de la maison, et ça, j'ai trouvé ça tellement stylé. C'était chez X Roche. Alors, pour celles et ceux qui se rappellent de ce nom-là, vraiment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quelle était la référence avec X-Roche ? Parce que vraiment, c'est une dinguerie. Si jamais vous arrivez à retrouver le truc. Alors, où est-ce que... Non, voilà, c'est ça. Donc, on va venir prendre ici le coin de la maison. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça. On va donc compter à partir de là 1, 2, 3, 4, 5 blocs à partir du côté. En dessous, on va mettre une vitre noire, puis deux à côté. Puis après, on va laisser un bloc où il n'y aura rien du tout. On va remettre deux vitres noires. Un autre bloc où il n'y aura rien. Deux vitres noires, et normalement, c'est bon. Hop, on prolonge les vitres sur le sol, jusqu'au sol ici, comme ça. 1, 2, tac, 1, 2, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Moi, je trouve ça vraiment très, très stylé. Alors, on va utiliser les feuilles, les feuilles ici. Donc là, j'ai préposé des barres de land. Donc l'idée, c'est de venir compter 1, 2, 3, 4 et 5
andésite, 5 blocs d'andésite poli qu'on avait mis au départ. Puis après on va sur le plafond, on compte 1, 2 et 3 blocs et on pose notre première barre de land. On compte 1, 2 et 3 blocs, une autre barre de land. 1, 2, 3 blocs, une autre barre de land. D'accord ? En dessous vos barres de land, du coup maintenant vous posez 2 feuilles. Et on va faire en fait suspendre par le plafond de la végétation. Sympathique, sympatoche. Hop, et tout ça. Donc, on va utiliser des murets en diorite ou en andésite. En andésite, c'est bien l'andésite. C'est bon, mangez-en. Donc, enfin, ça fait mal aux dents, je suppose, mais... On va utiliser les murets d'andésite et on va faire des petites lignes ici en andésite. Paf, 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 paf. Donc l'idée, c'est de les laisser à 2 blocs du bord de la... de la fosse, ok, un bloc du bord par rapport à ici, et on fait une espèce de petit zigzag comme ça pour donner un... Alors c'est une œuvre d'art très prout-prout, hein, vous voyez, donc dans l'idée c'est ce que j'appelle prout-prout, c'est vraiment de l'œuvre d'art qui ne sert strictement à rien, mais voilà, ce qui sert à rien, c'est à peu près tout. Hop, 1, 2, paf, et qui est très cher. Voilà, ça sert à rien, c'est très cher, c'est ça qu'on appelle le prout-prout. Bref, on fait la même chose en symétrique de l'autre côté. Hop, vous voyez. Et puis voilà. Du coup, sur la maison, on va faire le chemin qui mène à la grande tour ici en bleu. Hein. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on marche un peu dans l'herbe. Ce qui, pour une maison de luxe, est un petit peu dommage. Pourquoi j'ai eu vachement de son d'un seul coup sur quand je casse des blocs? Voilà, donc j'ai enlevé tous les blocs qu'il y a sous le machin ici. On va les mettre en andésite. On va faire un... voilà, on va tout mettre ça en andésite. Nickel. Hop. Hop, ok, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir creuser devant, ici, vous voyez, les espèces de petits trous. Hop. Et on va, je juste baisse le son vite fait, et on va creuser dans le sol, hop, jusqu'à, en gros l'idée, hop, bon, je vais creuser jusqu'ici, l'idée c'est de creuser un chemin qui est aussi long que nécessaire pour rejoindre la route qui ira devant votre maison. Normalement vous faites ça dans une ville moderne, hein, évidemment, ça paraît tellement évident que je le dis même pas. Ici on va enlever les deux blocs à ce niveau là et on va utiliser de la diorite. Et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs de diorite. Ici vous reprenez le deuxième bloc à ce niveau là, vous allez de l'autre côté de la route et vous remettez 1, 2, 3, 4, 5 blocs de diorite. D'ailleurs on va pas faire ça ici comme ça, je réfléchis pas assez. On va laisser la première bande de 5 de diorite, on va mettre 1, 2, 3 blocs d'andésite, puis re 1, 2, 3, 4, 5 blocs de diorite, re 1, 2, 3 d'andésite, etc., etc. Et l'idée c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté de la route ici, sauf que vous voyez, on va faire les comment dire, les lignes d'andésite, de diorite, pardon, comme ça, c'est-à-dire que on va avoir juste le dernier bloc de la ligne d'andésite de ce côté-là, qui va être au même niveau que le premier bloc de la ligne d'andésite de l'autre côté. Vous voyez? Je l'explique peut-être de manière beaucoup trop compliquée pour quelque chose d'hyper simple, mais j'arrive pas à l'expliquer autrement, c'est une catastrophe. Donc voilà. Tac, 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 tac. Voilà ce que ça donne en gros, vous mettez des lignes intercroisées, enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. Enfin vous faites ça, voilà. Quelle galère à expliquer quelque chose de simple. On va faire une petite water feature. Donc c'est-à-dire que on va utiliser des escaliers en quartz. On va mettre, hop, ici, là, on est à l'intérieur de la maison, donc derrière la machin. Vraiment, on est dans une espèce de cavité qui est complètement à l'intérieur de la maison. C'est assez sympa là comme ambiance. On va prendre ce mur ici, on va prolonger dans le sol 1, 2, 3, 4, 5 blocs et on va creuser comme ça. D'accord? On va mettre des
des escaliers comme ça. Ici, on va prolonger, paf, paf, l'andésite comme ça. Et ici, le bloc de quartz comme ça. Toute la partie ici. On va l'enlever. On va remettre les murs bien propres et tout. Voilà. Puis, on va rajouter de la terre pour faire un petit peu comme des petits îlots, vous voyez, comme ça. Et le reste, on va mettre de l'eau. Hop, comme ça, hein, vous voyez, paf. Ah oui, alors là, du coup, voilà, c'est le truc qu'il faut pas faire. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis de l'eau, on va utiliser les pierres lumineuses. Hop. Que l'on va mettre dans le sol pour éclairer un petit peu. Voilà. Et puis, on peut rajouter des fleurs, des cannes à sucre, tout ce genre de joyeuseté, n'est-ce pas? Hop, des pissenlits, des coquelicots, des fougères, des rosiers, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Hop, canne à sucre ici par exemple. Hop, quelques petites rosiers, des fleurs. J'ai mis un petit peu beaucoup de pissenlits. Mais voilà, c'est ma foi fort sympathique. Alors, ici on peut aussi rajouter à l'intérieur des bambous. Et alors là, ça sera vraiment la particularité, c'est la seule maison sur laquelle j'ai fait ça. Ce sont des bambous qui sont non, enfin qui sont à l'extérieur, puisqu'on n'est pas à l'intérieur de la maison, mais qui sont quand même sous la maison. Enfin, c'est un peu bizarre comme, comme endroit finalement. On est à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur quand même. Bref, on va mettre des bambous ici sur une ligne derrière la maison. Hop, alors on va le faire pousser avec de la poudre d'os. Tac, 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 voilà, comme ça. On fait pousser toute la ligne comme ça, hein, n'est-ce pas? Hop. Hop, là, je la fais pousser rapidement, hein. Il faudra la faire pousser davantage. Hop. Bref, voilà. Ok, donc, une fois que l'on a ça, finalement, il nous reste à faire les finitions. Et vraiment, les finitions de la maison... c'est plein de petites choses en fait, donc je vais vous les montrer directement sur ma maison que j'ai fini déjà. Alors première chose, on va utiliser les lanternes aquatiques pour mettre de la lumière le long de la route, du chemin qui mène jusqu'à l'entrée. D'accord, espacé d'un bloc de la route, lanterne aquatique dans le sol, espacé de deux blocs à chaque fois. Voilà. Pour la première chose, on va sur le côté ici, et je pense que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais hop, ici, vous voyez, vous avez des tapis de mousse. Et en dessous, vous avez des lanternes aquatiques. Alors, les lanternes aquatiques, ça peut être un petit peu cher en termes de ressources, donc vous pouvez utiliser autre chose, des torches, des pierres lumineuses, évidemment, ou autre. Mais l'idée, c'est de recouvrir après de mousse, pour qu'on puisse pas trop la voir. Une petite fougère à côté, histoire de donner un petit pattern joli. Et finalement, ça fait de la lumière, et on entoure comme ça notre petite partie de maison. Ce qui est très très cool. Je vais rester au sol pour l'instant, on va faire les étages après au fur et à mesure. Ici, sur cette partie de la maison, une petite façon d'habiller le mur très simple, c'est d'utiliser des barrières en chêne noir. La même chose que pour les piliers, hein, pour garder le même ton. Ainsi que quelques feuilles de palétuvier au-dessus. Comme ça, voilà, espacé de 3 blocs chaque pour donner un petit peu de végétation, un petit peu de couleur. Hop, ici sur la terrasse à l'arrière, on va creuser dans les dalles en fait finalement de la terrasse pour mettre des blocs de quartz lisse avec une plaque de pression en pierre au-dessus histoire de faire un coussin. Oui, un coussin en pierre. Voilà. C'est dans l'idée. Hop, on en met 3 comme ça. C'est très très bien. Alors ici c'est une sorte de décoration dans un style vraiment moderne prout-prout. Hein. On est toujours dans cette idée là. C'est à dire qu'on va sur le côté de la terrasse ici et on va creuser un bloc de 3 par 3. Et on va mettre de l'andésite au fond du trou.
une petite barrière et des feuilles de palétuvier encore au-dessus, pour pouvoir faire une sorte de pot de fleurs, mais inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un pot de fleurs sur le sol, on va creuser dans le sol jusqu'à la roche pour mettre un arbre. Ça n'a absolument aucun sens, et c'est pour ça que ça fait très prout-prout, justement. On en met trois, parce que, après tout, pourquoi pas. Ici, une autre marque de Transat, avec des escaliers en quartz et de la neige, des petites pellicules de neige ici. On en a mis trois par devant les Transat. Et ma foi, ça fait le taf. Je parlerai de ça après, peut-être. Ici, des lanternes aquatiques sur le long de la terrasse suspendue, vous voyez. Toujours la même idée, deux blocs d'espace entre chaque bloc ici de lanterne aquatique. Pour avoir un petit repère, vous pouvez prendre le coin de la maison ici et vous mettez une lanterne en dessous. Et le reste, deux blocs d'écart entre chaque. Alors, ici, c'est la plus belle terrasse de la maison, clairement. On va mettre deux petites transats avec escalier et dalle derrière, donc ça c'est le classico. Pareil ici, hein, des escaliers à l'envers en andésite avec d'autres escaliers en quartz pour faire une table. Pareil, ça c'est le classico. Mais là où c'est très sympa, c'est les lampadaires, les petits luminaires qu'on fait pendre du plafond. Avec des chaînes, deux chaînes l'une sur l'autre qui tiennent une lanterne entourée de pancartes en chaîne noire. Ça, c'est très très cool. L'idée, c'est de les mettre derrière les piliers. Vous voyez ici, c'est dans le même alignement des piliers. Et vous mettez 1, 2, 3, 4 blocs d'espace à côté du pilier pour mettre ces lanternes-là, ces petits lampadaires. Et ça donne quelque chose de super cool. Regardez, vous avez la cuisine, j'allais dire, la piscine, la terrasse juste à côté. Et au-dessus, les lampadaires comme ça, est-ce que ça fait pas super sympa quand même, hein, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'on en a fini pour le rez-de-chaussée. Sur le premier toit, donc le toit qui dépasse au niveau du premier étage, hein, vous voyez, de la maison, on va rajouter des petites astuces assez communes quand même, hein, on n'est pas là pour tout chambouler. Des capteurs de lumière pour faire panneaux solaires, donc de 3 blocs sur 10 blocs de long. Voilà, sur cette partie-là. Sur la partie à côté, là, c'est un truc un peu sympa. On va utiliser des trappes en chaîne au-dessus de l'ouverture ici, de l'entrée, vous voyez. Et l'idée, c'est qu'on va les faire dépasser de deux blocs à côté, carrément dans le vide, à côté de la... On va prolonger dans le vide de deux blocs, voilà, tout simplement. Pour ceux qui veulent les dimensions... Je vais vous les donner, donc 2 blocs de large sur 9 blocs de longueur. Et le premier ici, il est espacé de 3 blocs par rapport au bord, de ce côté-là. Ça donne quelque chose de sympa. Ici, hop, alors il y a plusieurs choses. Vous prenez le coin à ce niveau-là, d'accord. Par devant ici, vous mettez un carré en dalle de roche, un bloc d'espace, un autre carré, un espace, un autre carré... Espace, un autre carré, normalement vous avez un bloc de marge par rapport au bord du mur, bord du toit, et puis ça rentre bien entre les deux piliers. Ici, donc à côté, vous voyez un bloc d'espace ici, et là trois barres de LED l'une sur l'autre. C'était pour ajouter de l'éclairage tout simplement, parce que c'est vrai que la nuit, c'est assez sombre. À côté, deux blocs à côté des barres de LED et d'espacer d'un bloc du mur, on va remettre des barrières en chaîne et des feuilles de palétuvier. Voilà, trois comme ça, ça paraît bien. On remet ici des dalles, un carré en dalles de roche lisse qui est aligné avec ceux d'à côté, vous voyez, ceux de l'autre côté. On met un ici dans l'alignement. Hop, ici les bambous, hein, classique. Alors là, c'est un éclairage très sympa. Hop, on va utiliser des chaînes classiques. On utilise le coin ici, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs, un bloc en arrière et on va mettre 1, 2, 3 chaînes, puis une lanterne. On va espacer de 2 blocs, on remet 2 chaînes, une lanterne. 1, 2 blocs, une chaîne, lanterne. Et ça nous fait vraiment un espèce de petit luminaire qui remonte comme ça.
C'est très très sympa. Ici, une... comme là-bas, mais sauf qu'on va le faire en trappe en fer. Je sais pas comment... quel mot permettrait de désigner ce truc. C'est un espèce de... de couvre-sol sur l'entrée. Bref, vous mettez ça au-dessus de l'entrée. Ça vous fait 4 blocs de large sur 4 blocs de long. 2 blocs au-dessus de rien et 2 blocs sur le toit, et puis voilà. Alors, ici, on va mettre quelques enclumes, espacées de 2 blocs ici du bord du mur. Une enclume, 2 blocs d'espacement, une autre enclume, 2 blocs d'espacement, une autre enclume, et on met 4 blocs de feuilles au-dessus. Là, j'ai mis des feuilles de chêne. Là, pareil que l'autre côté, des grandes lignes de trappe hein, qui ressemblent quand même beaucoup à des tablettes de chocolat, on va pas se mentir. Hop, on va espacer de 1, 2, 3 blocs depuis le bord du mur et on va mettre 2 blocs sur... J'ai plus ma hache magique. Sur... voilà, 2 blocs sur 13 blocs de large qui dépassent de 3 blocs du mur au-dessus des feuilles, hein, voilà. Et ça habille bien le toit quand même, mine de rien. Et puis voilà, on va refaire la même chose qu'on avait mis ici, hein, un support au-dessus de l'entrée. Une espèce de préau finalement au-dessus de l'entrée avec 5 blocs de trappe sur 4 blocs de large. Vous voyez, et on fait un carré en trappe en fer. Au-dessus ici, sur la terrasse du dernier étage, alors là j'avais mis un escalier à ce niveau là mais au final je voulais pas montrer parce que ça sert à rien. On va mettre juste des barres de LED avec des trappes en fer en dessous pour faire des tout petits luminaires, parce que là on n'a pas beaucoup de place, donc il faut pas faire quelque chose de trop volumineux. On va compter 1-2 blocs du bord du mur, hop, une barre de LED, puis 1-2-3 blocs d'espace, une barre de laine, 1, 2, 3 blocs d'espace, barre de laine, 1, 2, 3 blocs d'espace, barre de laine, pour la dernière. Et puis voilà, les transats classiques, escalier dalle. Sur le toit le plus haut, finalement, eh bien, on va mettre des panneaux solaires de 3 blocs de large. J'ai toujours pas perdu ma hache en bois. Sur 3 blocs de large, sur 10 blocs de long, hein, comme on avait fait ici. La même chose ici et là, hein, on les espace un petit peu, mais voilà. Et puis des feuilles qu'on place sur le toit, ici comme ça, que l'on fait pendre un petit peu sur la façade. La même chose ici, vous hein, voyez, placée de manière un peu aléatoire, pour donner un petit peu de végétation, de verdure sur la maison. Et puis voilà, on en a fini pour cette maison. Peut-être un petit truc en plus, c'est que voilà, derrière la piscine, on peut mettre des arbres un petit peu taillés, un petit peu stylisés comme ça, avec des barrières en chêne noire. Ici, pour cet arbre-là, il a un tronc de 9 blocs de hauteur de barrière, avec des branches un peu partout. 1, 2, 3 ou 4 blocs de feuilles au-dessus. Et puis ça nous fait un petit arbre stylisé comme ça, sympathique. Là aussi. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos maps à visiter sur ma page mail, sur mon mail que vous trouverez dans la description. Le seul truc, alors du coup, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé leurs maps et c'est très cool, merci à vous. Sauf que je ne prends que les maps qui sont sur version Java de Minecraft. D'accord ? Les versions PS4, les versions Bedrock et les versions tout ça sont des versions... qui sont très limités de Minecraft, et donc il n'y a pas de mode et il n'y a pas de genre de trucs et tout ça, il n'y a pas les shaders et tout, ou alors c'est payant, et donc la version Java est bien meilleure, et je ne prends que les maps en version Java. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos constructions, ou si vous avez fait vos constructions sur des serveurs, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous les avez mis sur les serveurs. Mais par contre, donnez-moi tout, vraiment l'emplacement de la maison, l'IP du serveur et tout, pour que j'ai pas besoin de me casser la tête à trouver votre maison. Ça serait sympa. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir été si nombreux à regarder la vidéo. En fait, j'en sais rien parce que j'ai pas encore posté la vidéo, donc je sais pas si vous êtes nombreux. Mais toujours est-il que je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine !